Très agréable, vraiment très sympathique et un agréable moment de détente. De détente. Oui. Et la musique, le film, quoi, qu'est-ce que ça vous... Très doux. Et vraiment on se sent bien. D'accord. Il y a longtemps que j'avais pas fait de la balançoire. D'accord, merci beaucoup. Déjà les images sont magnifiques, il y a une sensation de détente, de calme et de sérénité qui est assez remarquable. Donc très, très nouveau comme concept et très attractif. Super bien. C'est vrai, super bien. J'entendais de la musique et tout. Ouais. Et les films, t'as pas fait peur? Non. C'est vrai. C'est-à-dire que on est enveloppé, emporté. C'est incroyable. J'avais les larmes aux yeux parce qu'en plus il y a une espèce de vent. En même temps, parce que ça pousse quand même assez fort. C'est extraordinaire. On est emporté dans les images. On n'est plus là, les gens autour n'existent plus. C'est magique. Et en même temps, on a l'impression que ça dure 3 secondes. Alors je sais pas combien de temps ça a duré, mais c'est formidable. Très sympa, on revient un petit peu en France et puis ça donne des super impressions, des choses qu'on ne sent pas habituellement. On rentre les deux, on rentre à l'image, là on s'arrête, ça rentre, ça accélère, ça ralentit. Ah ouais d'accord. Ça accélère, ça ralentit. Et après, ça fait hypnotique, voilà, on retrouve la balance. Voilà, je pensais que ça fait créer un... Perspective et l'image qui bouge en même temps que le siège, c'est très très sympa et ça donne vraiment une autre vision du film et des sensations et des perceptions qu'on peut avoir des images. Vraiment planant. C'est planant parce qu'on a l'impression qu'on entre dans le café, dans le monde du café, dans une tasse à café et aussi bien le mouvement, les couleurs, la musique, on se sent transporté. La sensation du grain et en même temps la musique, donc les grains qui chantent, ça c'est assez fort quand même pour le café. Et puis les images elles sont très fortes, enfin, je trouve qu'on est dans un univers visuel, je trouve que c'est vraiment une des plus belles, c'est vraiment une attraction quoi, dans le bon sens du terme, c'est une attraction, c'est un happening quoi, comme on dit, donc ça super, vraiment super. C'est très agréable et ça fait plein de kiwis partout, ça chatouille. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on met ses mains dedans? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des sons qui se déclenchent. Il y a des sons qui se déclenchent. Bon. C'est j'ai plongé.
plonger les mains dans les vasques et on ne s'en lasse pas de toucher, de les voir glisser, de les manipuler, on ne s'en lasse pas. J'ai pensé que c'est très agréable, on est très bien et puis cet artiste qui nous explique en même temps, c'est très intéressant, il est très sympathique. D'accord. Voilà, merci. Je trouve que c'est une expérience très intéressante. Ouais, sur la balançoire avec la vidéo, le son. Ah oui, oui, non, c'est bien, ça fait tout un tout, c'est vraiment. Et vous avez essayé les vasques de café aussi? Ah oui, 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 j'ai déjà essayé pour faire de la musique. Donc c'est agréable au toucher, bien quand on est des amateurs de café, je trouve.